أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع محاضرتنا هذه الليلة عن فضل العلم والعلماء العلم والعلماء le sujet de notre conférence de ce soir c'est les mérites de la science et les savants أولا يا إخوتي أريد أن أقول لكم شيئا وهو شيء مهم جدا إن الله سبحانه وتعالى رفع درجة العلماء إذا رأيتم عالما يهان فهو الذي أهان نفسه تفهمون يا الله سبحانه وتعالى رفعه درجة رفع الله سبحانه وتعالى العلماء درجة فإذا رأيت عالما ذليلا فالعيب منه وإلا الله رفعه الله سبحانه وتعالى a élevé les degrés des savants si vous voyez un savant méprisé c'est lui-même qui s'est méprisé sinon Allah l'a mis en haut فهمتني يقول الله سبحانه يعني أن الله سبحانه رفع شأن العلماء العلم وأهله وبين مكانتهم ورفع منزلتهم يقول تعالى يرفع الله الذين ماذا آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ما قال لك درجة درجات بالجمع ليس درجة واحدة بل درجة les carrés يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة الله سبحانه وتعالى qu'on a dit elle a élevé les degrés des savants si vous voyez quelqu'un qui dit un savant qui se prétend comme un savant il est méprisé il faut savoir que les défauts viennent de lui sinon s'il était un vrai savant Allah subhanahu wa ta'ala a élevé les degrés des vrais Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens de tradition Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront réci les savoirs et ceux qui auront réci les savoirs effectivement et عندما يقوم بعض الناس ويريدون أن يهينوا عالما من العلماء Il y a certains gens aujourd'hui qui cherchent à rabaisser les savants. Il faut voir l'erreur qu'ils sont en train de commettre. Ils ont fait un peu de temps. Ils ont fait un peu de temps. Ils cherchent à aller. Ils ont fait un peu de temps. Ils ont fait un peu de temps. Allah a dit يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ليس درجة واحدة درجات بالجمع يا أخي يعني لكاري جران الفارق كبير جدا وانظر لفظ يرفع جاء بالمضارع والمضارع في اللغة العربية يفيد التجدد والاستمرار يعني هذا العالم كلما علم كلما أخلص يرتفع درجة كلما علم كلما أخلص يرتفع درجة يرفع
élève. Allah élève. C'est présent. En arabe, c'est conjugué au présent. Et en arabe, quand on conjugue un verbe au présent, ça veut dire il y a la continuité. Yarfa'illah, il y a l'amaliyat al-rafa'a. بالنسبة للعلماء والذين آمنوا مستمرة لماذا؟ لأن الإيمان ينقص ويزيد. Donc Allah a élevé les degrés de ceux qui ont cru parce que la foi augmente et baisse. Les élèves qui sont avec nous là ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire comment la foi ça augmente et comment ça baisse? Ça monte avec les bonnes actions. Ça monte, oui. La foi, ça monte avec les bonnes quoi? Si je vais monter ma foi, je dois multiplier les bonnes actions. Et avec une bonne intention. Et comment la foi baisse? Avec les péchés. L'iman yazid, hein? وينقص يزيد الإيمان بالعمل الصالح المخلص لوجه الله وينقص الإيمان بالمعاصي والذنوب لا تنقص الإيمان. إذن هنا عندما أقول لك الله يرفع الله الذين آمنوا كم الإيمان 70 شعبة la foi 70 et quelques branches on monte chaque fois on peut avancer dans l'iman. J'étais très intelligent. C'est pour cela que j'ai eu tel diplôme. Yansib kulla shay'in ila zaka'ihi wa yansa Allah subhanahu wa ta'ala. Il pense que c'est son intelligence qui lui a donné la science. C'est son intelligence qui lui a donné ça et il oublie Allah. Qui a créé l'intelligence? Qui a créé la personne même et l'intelligence? Donc tout revient à Allah subhanahu wa ta'ala. يجب أن لا ننسى الله. تكلمنا في الجمعة الماضية تحدثنا عن ضرورة شكر النعم. Au sermon de vendredi passé, on a parlé de quoi? L'importance de quoi? La reconnaissance. De ça, on commence des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut être reconnaissant. Parmi la reconnaissance des bienfaits d'Allah, قال لكم أوت العلم أوت العلم يعني الله élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu les savoirs. Ils n'ont pas dit ceux qu'ils ont eu les savoirs, acquis les savoirs, mais reçu les savoirs. Donc les savoirs c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. العلم يا إخوتي هبة من الله سبحانه وتعالى. هذا العلم نتحدث عن العلم النافع والعلم النافع مجالاته كثيرة. تي بيتر ام بروف دي مات وداعية تي بيتر ام ميدسان داعية تي بيتر ام ارشيتك داعية في سبيل الله. هو هذا العلم الذي يفيدك في الدنيا وفي الآخر توجهه للاستفادة في الدنيا والآخر. قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم حتى لا تفتخر حتى لا تفتخر على الناس وتقول أنا أزكى منهم وأنا كنت كذا وأنا كنت كذا. فقال لك أوتوا العلم هذا شيء أوتيته c'est quelque chose que Allah t'a donné سبحانه donc il faut être modeste. Il ne faut pas penser que ah, c'est ton intelligence, c'est ton effort qui t'a donné.
Mais il faut dire, c'est quelque chose que j'ai réussi. C'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné. Outil ilm, qu'Allah comme Aïba, daraja. Allah subhanahu wa ta'ala a'tahum daraja. Antum ra'aytum hatta fi ilm al-din ou al-dunya, ou al-muslim ou al-kafir, alladhi yata'allam, laissa qu'alladhi la yata'allam. Vous avez vu, vous. Soit dans le domaine de la religion, ou en dehors même de la domaine, du domaine même de la religion. Celui qui a obtenu un grand diplôme, ce n'est pas comme celui qui n'a pas été à l'école. Vous voyez, des non-musulmans du tout, qui ne croient même pas une religion. Mais ils sont des grands médecins, ils sont des grands professeurs, des grandes choses. Même quand vous voyez leur vie matérielle, c'est différent. Faites-le. Il faut savoir l'ilm. شيء مهم جدا في الحياة وبالنسبة للمسلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي صحيح معنى الله يعطي ليس أننا نجلس مكتوف الأيدي لا بد أن نأخذ بالأسباب il faut les causes il faut fournir toutes sortes d'efforts pour acquérir la science mais il faut savoir les vrais donateurs c'est الله سبحانه وتعالى انظر يا جماعة سبحان الله كم من الناس يجلسون في فصل واحد Combien de personnes qui vont être sur les bancs pendant 2 années, un qui devient savant, l'autre ne connaît rien. Ou ma'anam, darasu nafs al-sanawat. Darasu nafs al-sanawat, walakin. Yajid, minhum man yajid min al-ilm ma la yajidhu l'akhir. Lazalika, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, m'a dit, dans le hadith d'Allah, il dit, إنما أنا قاسم والله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يعني هو الذي يعطي سأفدي اللي بفضل محمد صلى الله عليه وسلم كان تيل برش il diffuse l'information ça veut dire il diffuse l'information mais il a dit je diffuse mais qui donne il dit c'est Allah qui donne je peux animer cette conférence Mais il y a des gens qui vont tirer des profits plus que d'autres. الآن نحن في هذه المحاضرة قد يستفيد البعض أكثر من البعض. يفهم البعض أكثر من البعض. إذن يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم ماذا درجة. الله élèvera un degré ceux d'entre vous qui auront crié et ceux qui auront récit le message. Surat 58, verset 11. Al-Mujadila. Surat Al-Mujadila ou Al-Aya Al-Hadi'asha. Allez, écoutez. Quand on regarde dans le Coran, on voit que Allah, subhanahu wa ta'ala, n'a pas yamour le Nabi bin istizada min shay illa min al-ilm. Il dit, « Wa qur Rabbi zidni » لم يقل نوما زدني نوما ولا زدني أكلا ولا زدني شرابا ولا زدني مالا ولا زدني ثيابا الله سبحانه وتعالى دي وبرفيت نعم صلى الله عليه وسلم dans le Coran et dit ô mon Seigneur accrois mes connaissances augmente mes connaissances la seule chose que Allah a demandé au prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم de demander à Allah d'accroître de l'accroître c'était quoi La science. Il n'a pas dit, ô mon Seigneur, Salaf, accrois ma nourriture, mes habillements, mes maisons, mes biens. Non. Et la seule chose qu'Allah lui a demandé, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'accroître, c'était quoi? C'était la science. Mais accroître ma connaissance. Accroître ma connaissance. وقل ربي زدني دونك الله سبحانه وتعالى امر نبيه بان يدعوه ويقول ربي زدني علما الله سبحانه وتعالى اوردوني son prophète de l'invoquer de dire ô mon seigneur accrois mes connaissances نحن عندنا بعض الناس اليوم يقول لك لا تتعلم Il y a des gens aujourd'hui qui te disent il ne faut pas apprendre. Il ne faut pas.
Ça, c'est en contradiction avec ce verset coran. Il y a des gens comme ça qui disent aux gens aujourd'hui, il ne faut pas apprendre. Beaucoup des sciences, c'est un problème. تقول له ماذا أفعل يقول لك نعم أخرج لي لتدعو هذا il faut sortir pour et Allah سبحانه وتعالى dans le Coran il a dit au prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم dit il enseigne son prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم il enseigne ce qu'il doit dire il dit quoi oh mon Seigneur accrois mes connaissances augmente mes connaissances. Donc, ça veut dire que même le prophète Mohammed sallam, il fait dua pour apprendre. Il a dit, le jour qui sera triste, c'est le jour que le soleil est sorti, lui n'a pas appris quelque chose. Le jour-là, c'est... Des gens qui disent aux gens, non, assez, il ne faut pas apprendre. C'est compliqué. C'est une ignorance. Tout celui qui va t'empêcher d'aller apprendre la science, il faut savoir, il est ignorant. Il ne connaît pas la science. Ils vont te dire, il y a beaucoup de gens qui ont de la science qui ne travaillent pas. On ne t'a pas dit. C'est comme quelqu'un qui va acheter un couteau pour la cuisine, il va te dire, non, il ne faut pas acheter parce qu'il y a beaucoup de gens qui poignardent les gens avec le couteau. Il y a beaucoup de gens qui poignardent les gens avec le couteau. Donc, ce n'est pas la faute des couteaux. Talab al-ilm, l'insan yata'allam. Wa ya'mal bihi. Il faut l'appliquer. Ça, c'est important. Tu conseilles les gens d'apprendre et d'appliquer. Mais il ne faut pas leur dire de ne pas apprendre. S'ils n'ont pas appris, comment ils peuvent savoir les gens? Ta'al al-ilm. Khuz faqat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ma ma'na? On prend la shahada. Il n'y a aucune divinité digne d'être adorée qu'Allah et c'est Mohammed qui est son messager. Prenons ça sur nous. Que veut Dieu? Ma ma'na? La ilaha illallah. Yani la ma'bouda bi haqqin illallah. Il n'y a aucune divinité digne d'être adorée qu'Allah. Yani a'budullah wahda. Huwa al-mustahiq lil'ibada. Je vais adorer Allah seul. Hada ma'na la ilaha illallah. Al-al. كيف أعبد الله؟ كما أدوري الله؟ Est-ce que c'est à moi d'inventer العبادة؟ Non, ça devient بدعة. عندما تقول لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، أنت تثبت أنك تعبد الله وحده دون غيره. ولكن السؤال كيف أعبد الله؟ ما هي الطريقة التي أعبد الله فيها؟ هذه الطريقة هل يجوز لك أن تحدثها أنت بذي؟ لا. هذه بدعة الطريقة موجودة لأجل ذلك يأتي محمد رسول الله سبدير محمد رسول الله أعبد الله بالرسالة التي جاء بها محمد pas seulement que tu adores Allah seul mais avec Muhammad Rasulullah ça te donne le schéma à suivre c'est comme un GPS que tu dois suivre pour arriver. C'est ça, Mohammed Rasoul. Yani, ana a'budu Allah, walakin a'buduhu bil risala allati ja'a biha Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lajalak ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Hazi risala, عندما تقول ashadu an la ilaha illallah, tu adores Allah seul, maintenant il faut savoir comment adorer Allah. Je vais l'adorer selon les messages que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a amené. Pour que je suive les messages, il faut les connaître déjà. Je ne peux pas suivre quelque chose que je ne connais pas. La Bouddha, en tafam hadhi risa. Aliyom anakuntu ma'a sham. Aujourd'hui, j'étais avec un jeune. Haka li ba'd al mashak. Il m'a raconté certains problèmes. Qultu lahu salli. Il faut prier. Qala li wallahi la a'rifu kayfa usalli. Je ne savais pas comment prier. Tu étais à la mosquée. Il a dit, tout s'écroule. Allah subhanahu wa ta'ala, pas beaucoup de choses. Il a dit,
tout ça tombe tout à coup. قلت له أنت رأيتني بالأمس في المسجد كنت هنا قال نعم قلت له تيتي على موسكيسي ألم تستمع للخطبة قلت له تينا بانتان دي لسيرمون دي فاندردي الفويت الريكونيسان انفير الله بورك لا كرواسانس دي شوز جدي سيرتيري ما كتنا باري مرسي قال لي نو يير جيتي أريتار مين جينا با جي بانس كي نامين با بريي افيك نو. Il a dit, même pour rentrer à la mosquée, j'avais honte la nuit, parce que je n'ai jamais prié des choses comme ça. Moi, je lui ai dit, j'étais bien à la mosquée, j'ai pensé que tu as fait le Jum'a, tu as écouté le khutba. Il m'a dit, non, je ne sais pas comment prier. Je l'ai indiqué certains livres à aller acheter. J'ai dit, voilà, ça vous explique la prière. S'il y a un problème, je vais vous aider. Il dit, je lui dis, Allah t'a tout donné, mais toi, tu n'as rien fait. J'ai dit, il faut être reconnaissant. Il faut tisser un bon lien avec Allah. Allah te donnera tout. Il dit, mais j'ai fait. Tu dis, ok, comment tu as fait? Il faut prier. Il dit, oui, j'ai pris. C'est maintenant que tu m'as dit que tu ne sais pas comment prier. Comment tu m'as dit maintenant tu pries? Il m'a dit, non, j'ai pris mentalement. Il dit, ça l'a fait appeler. Il dit, ça l'a fait كثيرا جدا. Il dit, ok, il dit, mentalement. Tu penses que chacun a sa manière, il va prier. Il y a un schéma. Quand il dit La ilaha illallah, ça veut dire que tu adores Allah seul. Mais pour adorer Allah, il y a un schéma. Donc, quand tu dis il faut qu'on apprenne. Il y a un schéma. Il faut bien déchiffrer le schéma. Il faut bien savoir. Plus que vous apprenez. Et vous découvrez les choses. Quand vous enseignez à quelqu'un, vous les libérez. C'est pour cela que les gens qui ont des sectes, ils n'aiment pas la science. Les sectes, ils n'aiment pas la science. Parce que plus que tu lis, tes yeux vont être ouverts, tu vois les défauts. Donc ils vont te dire, non, il ne faut pas apprendre, il ne faut pas aller chez le ulama, il ne faut pas aller apprendre là, il ne faut pas aller à l'école, tu restes avec nous, tu écoutes ce qu'on dit. Donc c'est maintenant, la seule source, c'est lui. Ce qu'il dit, c'est qu'à la chère, c'est terminé. Ma fille. قال الشيخ سترمين لذلك لا يتعلمون الذين يريدون يسيطروا على الناس يسيطروا على الناس دائما يدعون الناس الى الجهل بس كي سي لا بيرسون ايغنورانس سي فاسيل عليه مي سي لا برين لا سيانس il faut ندعو الله سبحانه وتعالى يوفقنا وندعو الله سبحانه العلم يا اخوتي له اثر كبير في حياه الناس له أثر كبير العلم un grand impact dans la vie des êtres humains. فأهل العلم هم الأحياء. Les hommes des sciences, c'est eux qui sont les vivants. وسائر الناس أموات. بقية الناس ماذا؟ أموات. Ce sont des morts. الله سبحانه وتعالى في القرآن منعنا أن نساوي بين العالم والجاهل. الله في القرآن nous a montré qu'il n'y a pas de comparaison, égalité entre celui qui a la science et celui qui ignore. La différence est grande. يقول تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يستوي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ماذا الزمر آية 9 الله سبحانه وتعالى دي dans les centres d'action sont-ils égaux écoute sont-ils égaux qui ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont pas égaux. Celui qui sait et celui qui ne sait pas ne sont pas libres. Donc,
Donc ça vous montre l'importance du savoir et l'importance de salafisme. Al-ilmu sharafun la qadra la. Fal-ilmu mada? هل تعرفون مرة الملك ابن مروان جاء إلى الحج إلى فيديك الحج وكان لديه سؤال ديني إلى إن كيسيون ريليجيز فقال له المفتي فلان تل برسون كي مفتي سلوي كي كل فالدي من عبد الملك ابن مروان خليفة زيتي خليفة. Et lorsqu'il est arrivé, il a trouvé quelqu'un qui est assis. Regarde le cheikh Sanjalisan, regarde le sauf fantôme. Il a trouvé l'oncle qui est rangé. Parce que les gens, ils ont des questions un par un. Où est le khalifa? L'am yakif le sauf, bel tawadja, ou taqadam, hatta wassali le cheikh. Jusqu'à ce qu'il est arrivé chez lui. Khalifa. قال له كذا لدي سؤال وجده شخص أسود اللون لا تروك إلى نوار فهمتم يا أخوة فقال للخليفة عندي سؤال لدي سؤال جين كيسيو قال له خذ الصف ما يبعدي بلا ليران للخليفة فهمتم يا أخوة يعني كان ذكيا مروان فمشى وقف. Il est parti. Il n'a pas dit non, il est parti. Ouais, il a pris les rangées jusqu'à ce que son tour est arrivé. و سأل وأجابه. Il a répondu. بعدها خرج ومعه أولاده. Il a quitté avec ses enfants. ماذا قال لهم وصية؟ قال يا بني تعلموا العلم. يعني رأيت ماذا أصابني أنا من أجل العلم وزابي في سكي مع ريفان الخليفة وقفوني في الصدق بعدها قال يعطيهم نصيحة لأبنائه قال يا بني تعلموا العلم أو mes enfants il faut apprendre la science فهمتم قال فإن كنتم سادة فقتم si vous étiez des patrons et vous avez la science vous allez dépasser tout le monde إذا كنتم سادة فقتم. Si vous étiez patron, avec la science, vous allez dépasser tout le monde. Il a dit, « Si vous étiez au milieu, vous avez sauté. Et si vous étiez humilié, pas patron, avec la science, vous devenez patron. Si vous étiez au milieu, vous avez sauté. Comme un des mortels, tu vas bien vivre. » Il a dit, « Vous avez sauté. » Il a dit, « Mon fils, قال إن كنتم سادة فقتم. Si vous étiez des patrons, vous allez dépasser tout le monde. وإن كنتم وسطا. Si vous étiez au milieu, pas patron. On dit classe moyenne, سدتم. Vous allez monter. وإن كنتم سوقا عشتم. Et même si vous étiez des gens comme ça, après vous allez bien vivre. هذا ما قاله كنصيحة لأبنائه. قال لهم رأيتم ماذا حدث أنتم رأيتم بأعينكم كل هذا إذا رأيتم الرجل يقول لي هناك وكذا وهو كذا قال من أجل العلم أنا أحسن سلا سيانس هل فهمتم يا كل إنسان يطلب الجنة بلا علم فهو ضال وهالك n'importe quelle personne il cherche le paradis sans la science il est égaré. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est le prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Mantala bien, faites-le. Comment? An Abi Darda radiallahu anhu qala sami'tu Rasulallah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul. Abu Darda, il a dit, j'ai entendu le prophète, paix et salut sur lui, il dit, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaka Allahu bihi ou sahallahu tariq bihi tariq min turq il jannah. Celui qui a emprunté un chemin pour apprendre la science, surtout la science utile. Apprendre la science, Allah lui facilitera un chemin des paradis.
Ça veut dire vous venez, vous apprenez. Il faut savoir les chemins que vous avez suivis mènent au paradis. Ça, c'est le chemin. Vous comprenez? Tu laisses cette science, tu as dévié le chemin du paradis. Tu as pris un autre chemin. Vous comprenez? Ton GPS n'est pas actualisé. Tu vas aller à Reims, il va t'amener à Lyon. Tu vas aller à Reims, il t'amène à Lyon. Ton GPS n'est pas actualisé s'il n'y a pas la science. En fait, les akalak. من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريق من طرق ماذا الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم الملائكة طالب العلم اللي شرشر دي سيانس تي بران تي كاي تي بران تي ليفر تي بران لي شيمين بور فينير تي اونوري d'une manière que nous ne savons pas, c'est le prophète Mohammed Sassam qui nous a enseigné. عندما تأخذ كتبك وتتجه إلى المدرسة لتتعلم فعليك التعرف. عندما يأتي الرؤساء إلى دولة من الدول ماذا يفعلون لإكرامهم؟ Quand un président qui visite un pays, qu'est-ce qu'ils font? À l'aéroport, quand ils descendent de l'avion, il y a un tapis rouge. Vous savez? أنت بيقوى الدولة عندما تريد أن تكرم شخصا تضع ماذا بساطا أحمر تابي روج la personne descend de l'avion il marche sur le tapis rouge معناه هذا إكرام selon le pays la personne marche sur le tapis rouge ça veut dire que la personne a été honorée طالب العلم c'est pas tapis rouge يمشي على أجنحة الملائكة. Les anges, ils te prennent les ailes. Et toi, tu marches sur les ailes des anges. Ça veut dire, c'est les ailes des anges qui deviennent comme un tapis pour toi. Depuis ta sortie de la maison jusqu'à ton arrivée. Et ton retour aussi, c'est comme ça. Il y a un tapis que mais personne ne le voit. En fait, donc, vous êtes honorés. Les anges du ciel, ils t'ont. الآن في محاضرة إن كونفرنس vous venez de la maison يا للتبي ملائكة تبسط كان في واحد ذكر ابن قيم الجوزية ابن قيم الجوزية أنا فيلي قال في شخص سيء بزيء quelqu'un qui était vulgaire il a entendu ces hadiths que les anges فهمت les anges tendent leurs ailes pour celui qui cherche la science. Il a voulu se moquer. Il a pris ses livres. Il a mis des clous. Il a dit donc lui, il va aller chercher la science. Donc les anges, il tend. Il va blesser les anges. Il est بعدين ماذا حدث؟ فقعت عينه. Il a perdu le désir. Les deux yeux sont crevés, il a perdu le désir. وهذا مذكور يعني ذكره ابن القيم الجوزية في كتاب العلم. فهمت يا اخوتي؟ إذا الملائكة تبسط عينها. Il faut savoir qu'il marche sur un tapis, sur les ailes des anges. Pourquoi ils mettent Ridan les talibs et les ilm? Parce qu'ils sont contents. Ils sont contents de ce qu'ils étaient en train de faire. Femme-t-il? Tout cela, c'est pour te faciliter. C'est pour te faciliter la route. Wa inna al-alim la yastaghfir lahu man fi as-samawati wa man fi al-ard. Tous les êtres vivants sur les cieux. Et sur la terre, il demande pardon auprès d'Allah pour les savants. Yani, cherche l'alim, il dit,
العلم الشرعي خاص الهداية حتى العلم الدنيوي إذا وجهته في الله سبحانه وتعالى أنت عالم كل شيء يستغفر كل من عاقل يعني في السماوات والأرض ça veut dire au ciel là-bas il y a les anges au ciel là-bas il y a les anges et sur la terre tous les êtres vivants sur la terre chaque jour ils demandent pardon à Allah auprès d'Allah en faveur des savants كل شيء يستغفر عرفت يطلب الله يعني اللهم اغفر له اللهم اغفر له il demande pardon auprès d'Allah pour les savants même les poissons les baleines poissons dans l'eau au profond au fond chaque jour ils demandent pardon auprès d'Allah pour les savants حتى الحيتان في داخل النهر يطلب المغفرة للعالم الله مثلا اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر Vous comprenez pas. Onzur al-du'a. عندما الإنسان يتعلم يصير عالما. Onzur al-du'a. Du'a. كل شيء في السماوات يستغفر. في الأرض يطلب لك المغفرة. حتى الحيتان في الماء. هل فهمتم يا أخوتي؟ قال فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. Les mérites d'un savant sur un adorateur qui n'est pas savant. Quelqu'un qui adore mais qui n'est pas savant, mais le mérite des savants, ça veut dire quand on compare les deux. Les savants qui adorent et les, quelqu'un qui n'est pas savant mais qui adore. La différence entre un seconde, la différence entre la pleine ligne, vous comprenez, et les autres, hein? Les autres planètes, ou des, comment, je sais pas, comment, hein? Hein? Oui, les autres. Ça, c'est par rapport à nous sur la Terre. Exoplanètes. Hein? Exoplanètes. Oui. Pour nous, sur la Terre, la ligne est plus importante. Vous comprenez? قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن العلماء ورثة الأنبياء. Les savants sont les héritiers des prophètes. Est-ce que vous comprenez? Anna l'ulama amada? Anna l'ulama warafat amada? Warafat al-ambiya. Ça veut dire les savants, c'est eux qui sont les héritiers des quoi? Des prophètes. C'est eux qui jouent. Qui joue aujourd'hui? Quand on utilise comme la langue française, elle dit joue. En arabe, ça ne marche pas. C'est pas la langue arabe. Vous comprenez, c'est la langue. Qui, aujourd'hui, le prophète n'est pas là. Et c'est le saut des prophètes. C'est terminé. Il n'y a pas un prophète derrière lui qui assure le rôle. C'est l'ulama. C'est eux qui assurent le rôle. Donc c'est pour cela, c'est eux qui sont les héritiers de qui? De quoi? والنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معشر الأنبياء لا نورث. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit nous les prophètes vous comprenez on ne laisse pas d'héritage. Ça veut dire tout ce que un prophète qu'il est on ماتركناه صدق ماتركناه صدق. Ça veut dire qu'un prophète s'il meurt tout ce qu'il a comme bien matériel on donne صدق sa famille ne partage pas. Il n'y a pas d'héritage pour un prophète. Pour nous, si quelqu'un décède, on partage l'héritage. عندنا نحن إذا مات الشخص أهله يرثون المال. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء لنا. وما تركناه صدق. C'est que quand le prophète meurt, même ses propres enfants, ils n'auront pas. لأجل ذلك عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تطلب حديقة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة
radiallahu anha, il est venu voir Abbakar, il était khalife, et lui a dit, quand mon père est décédé, il avait un jardin. Je viens réclamer le jardin de mon père. Abbakar lui a dit, qu'a-t-il dit Fatima? Allah a semer le Rasulallah, c'est ce qu'on a dit, ma'achar l'anbiya, wa ma taraknahu sadaqa. Le Fatima Sassam a dit, ne seront pas hérités. Et tout ce qu'on laisse, c'est sadaqa. Il lui a dit que non, je ne peux pas dire. Donc l'ambiya, leur propre enfant, ne peut pas leur hériter matériellement, parce qu'on ne peut pas hériter un prophète matériellement. Et ça, ce n'est pas lui seul, tous les prophètes. Mais les savants, c'est un héritier des prophètes. Les savants, un héritier des... عندما ذكريا يقول لله سبحانه وتعالى ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقي وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقر فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. فالعلماء قالوا هنا ليس وراثة المال ولكن هنا وراثة العلم والنبوة وهذه donc c'est l'héritage de la science, l'héritage de la prophétie. إذا العلماء ورثة ماذا؟ الأنبياء. وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. كما سيكون جيب وزيدي الأنبياء les prophètes vous comprenez on ne peut pas les hériter avec les dinars ou dirham non. ورثوا العلم c'est العلم l'héritage des prophètes c'est la science. Effectivement. L'héritage des prophètes, c'est quoi? C'est la science. Abu Huraira marra min al-marra radiallahu anhu ra'a anna al-muslimina qad ghafalu kathir. Abu Huraira un jour, il a vu que les musulmans, ils étaient distraits. Faqala lahum antum tajlisuna fi s-souq hakada tatahaddasun wa irthu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yuwazza'u fi l-masjid. Il les a dit que vous êtes là au marché, vous discutez comme ça, et alors que l'héritage du prophète Mahomet est en train d'être partagé à la mosquée. Et ils ont pensé qu'il y a l'argent, tout le monde a couru vers la mosquée, ils ont parti remplir la mosquée, ils ont dit à Bouhrer, mais où est l'héritage du prophète Mahomet? Lui, il a dit que l'héritage du prophète, ce n'est pas matériel. L'héritage du prophète, c'est de venir, subhanallah, alhamdulillah, et vous apprenez la science. Asseyez-vous. Ah, bagallum, hada huwa mirathun nabi sallallahu alayhi wa sallam. Laysa al-mal. Zakkarahu. Fahada huwa al-mirath. Indama na'ti huna, qala Allah, qala Rasulullah, nata'allam, nafham, hada huwa mirath. Et quand on comprend, c'est ça, mirath. Il a fait une écoute. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الحديث الذي ذكرناه هنا قال هنا ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر من أخذ العلم الله سبحانه وتعالى أعطاك من أخذه فقد أخذ بماذا بحظ وافر celui qui a eu la science Allah il a eu une part abondante il ne faut pas qu'il se plaigne encore. وهذا الذي لا يفهمه الناس كثيرا اذا اعطاك الله العلم فقد اخذت بحظ وافر كان الله سبحانه وتعالى تدون لا سيانس il faut savoir il t'a donné une grande part une part abondante satisfaisante si tu connais il ne faut pas encore se plaindre ou courir هل فهمتني يا اخوتي اذا اعطاك الله العلم فقد اعطاك حظا وافر انت احمد الله il faut remercier Allah. Il faut être reconnaissant envers Allah parce qu'il t'a donné la science. Faites bien. Il t'a donné. Si tu t'es plaint, tu n'as rien compris. Faites bien. Ce qui amène les problèmes dans les mosquées. لأن هناك رؤساء مساجد يعني امبريزيدون وفيه مكتب بيرو أغلب المساجد هؤلاء الناس ليسوا متعلمين
Ils ne connaissent rien de la religion. Ya'toun bil imam. C'est eux qui amènent l'imam avec un contrat. C'est eux qui sont les patrons. L'imam ya'ti wa huwa akthar minhum ilm. Et lui, il a la science. فهو الذي يتكلم مع الناس داخل المسجد هو الذي يخاطب ليس البيرو c'est pas le bureau qui parle aux gens, c'est l'imam qui parle. De fait d'enseigner les gens ils vont s'attacher à l'imam plus qu'un bureau. Ça amène la jalousie. Donc l'imam est venu, il a tout pris. ولكن هذا هو العلم اكبر رابط بين الانسان والانسان هو العلم الذي يعلمك من علمك ألف صار أبوك صار أباك. Celui qui t'enseigne A, il devient comme ton père. Ça laisse la tâche du cœur. في شيء في القلب الذي يعلمك قال الله قال رسول الله من قلبك ترتبط به بالقلب. Quand les imams qui viennent, qui ont. Et ça, comment ça s'appelle une forte personnalité, une personnalité forte, il parle, il affecte les gens, après un peu de temps, les gens tous sont imam, et ils oublient le bureau, ils oublient les bureaux. Donc les bureaux maintenant, pour montrer à l'imam, c'est pas toi qui décides, toujours on les pique. Ah oui. Ah, les bains, ils ont l'est. Avetum, هذه هي المشكلة. مشكلتنا هنا الذي يجب أن يكون فوق هو تحت والذي يجب تحت هو فوق. فهمتم؟ Tu vas dans la pharmacie, tu trouves que celui qui vend le médicament c'est un pharmacien. Tu vas à l'hôpital c'est un médecin, il a son diplôme. Tu parles partout. أما نحن هنا السماك والبقال وكذا هو الشؤون المسلمين. Celui qui vend les poissons, celui qui vend tout, 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 c'est celui qui décide les choses des musulmans. Où est le علم? هذه هي المشكلة. هذه هي المشكلة. لا يزال العقول فارغة يا إخوتي. فهمتني؟ يعني مشكلة في فرنسا هنا أن العلماء لم يجدوا مكانهم. Leur position est très fragile par rapport aux autres. Donc, en réalité, quelqu'un qui hérite un prophète, toi, tu les mets sous ton pied. Il y a un seul roi, il hérite un nabi, ou un tatata ou un héritier d'un prophète, et toi, tu les mets sous ton pied. Nas, cherche, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un seul roi, Allah élèvera. الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم دريا الله إلي فيرا les gens qui ont eu qui ont cri qui auront cri et qui auront quoi il est savoir réussi le savoir الله ورفعهم وأنت تريد أن هذا هو الصراع لأجل ذلك الأئمة في المساجد لا يجلسون كل مرة يغيرون إمام 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 il y a pas de stabilité donc il y a pas de continuité du tout du tout عندما نتحدث عن العلم نتحدث من هو العالم هذا أيضا مهم من هو العالم كي يساو المتعلم نعم نأتي إن شاء الله قال ابن عباس رضي الله عنه قال ابن عباس رضي الله عنهما قال العالم بالرحمن من عبادي يعني العالم les vrais savants parmi les serviteurs d'Allah قال من لم يشرك به شيئا celui qui n'a pas associé quelqu'un d'autre à Allah dans l'adoration ça c'est premier من لم يشرك به شيئا وأحل الحلال ce que Allah dit halal il l'applique وحرم الحرام سكي الله دي حرام إلى رسبكته وحفظ وصية الله طول كونسيك الله سبحانه وتعالى يحفظ وأيقن أنه ملاقيه il était sûr qu'il va rencontrer Allah et Allah ومحاسبه بعمله et il va rendre compte de ce qu'il a fait هذا هو العالم ليس العالم فقط أن لديه علم Il a la science d'Horus, il explique, il connaît l'essence des mots. Non,
يعني من لم يشرك به شيء توحيده جيد في التوحيد ليس هناك شرك n'a pas commis un acte d'association وأحل الحلال c'est que Allah dit halal il le respecte وحرم الحرام c'est que Allah dit haram il le respecte وحفظ وصية الله إلى conseil dans tout ce qu'Allah a demandé comme conseil وأيقن أنه ملاقيه il était sûr qu'il va rencontrer Allah ومحاسبه il va rendre compte de ce qu'il a fait ça c'est هو العلم يعني لا علم لا نسمي شخصا عالما بدون خشية الله sans la crainte d'Allah on peut pas appeler quelqu'un عالم savant même s'il a des doctorats il a des diplômes dans les domaines il peut enseigner tant qu'il n'y a pas la crainte d'Allah on l'appelle pas عالم donc il faut bien comprendre il ne faut pas que quelqu'un souvent vous trompe Il va venir vous dire, oui, telle personne, il a tel diplôme, il a tel ci, il a tel ci, il a tel ci. Mais quel caractère et quel comportement? Donc il faut faire très attention, parce que souvent les gens courent derrière les diplômes. Ils vont te dire, oui, il est dans tel, il est dans tel, mais les comportements, c'est comment? Donc c'est un problème. Là, il s'amma alim. L'alim, c'est man araf Allah, subhanallah. Man araf Allah. Fahimtum? احترم تعاليم شرع الله celui qui a connu Allah il va prendre les chemins d'Allah donc c'est ça qu'on dit savant savant il a su donc celui qui a su il prend les chemins mais tu as su tu n'as pas pris les chemins tu n'as pas savant jahil حتى اذا كنت عندك اكبر الشهادات donc il faut faire très attention ça veut dire il faut faire très attention aussi au comportement c'est pas la science seulement Les comportements, la réputation des choses, c'est très important. On a parlé. L'an Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fil Quran Innama yakhsha Allah min ibadihi l'ulama. Ça veut dire que c'est les savants qui craignent Allah. Seuls les savants qui craignent Allah. وروي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الإمام أحمد بن حنبل كان يجلس في المسجد يدخل ناس كبار يسمونهم علماء قاضي يرى دي جان كي رانتر dans la ville on les appelle علماء lui il est assis يجلس ما يقوم لا يقوم فيأتونه ويسلمون عليه فيسلم عليهم وهو جالس il les salit comme ça étant assis وهم الناس في الخارج علماء 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 دي سافون دي شوز مي احمد بن حنبل il vient naturellement il est assis il bouge pas jusqu'à ce que même il vient il le salit il le tend la main mais étant assis وفيه رجل il y avait un homme dès qu'il le voit rentrer اذا راى الرجل جاء يقوم الامام احمد بن حنبل ويمشي اليه اهلا بك اهلا اهلا يسلم عليه ثم ياتي به من الباب باب المسجد. Il y avait quelqu'un que quand l'imam Ahmed le voit, il se lève directement, il va vers lui, salam alaykum salam, venez. فقال له طلاب, ses élèves, قال له لماذا يأتي العلماء ولا تقوم. Il a dit, les savants qui viennent, tu ne te lèves pas pour eux. Jusqu'à ce qu'ils viennent, ils te salient et tu les salies étant assis. Monsieur, là, on a constaté que chaque fois il vient, tu marches jusqu'à là-bas, tu vas chez lui. D'ailleurs, que nous, on le connaît, il n'a pas de grandes choses dans la science, il connaît un peu. C'est pas comme les autres. L'imam Ahmed Mada il a dit, cet homme, il a toute la science. Il connaît un peu, mais il les pratique. وهؤلاء يعرفون كثير ولا يطبقون اذا هذا الرجل هو العالم قال لهم هذا الرجل هو العالم فهمت ما يقول il a dit cet homme c'est lui qui est le savant parce que il ne connaît pas beaucoup comme les autres mais ce qu'il connaît il les met en pratique donc il a toute la science parce que tout ce qu'il a connu il a mis en pratique mais les autres ils ont beaucoup mais leur comportement est différent donc ils sont pas ulama donc c'est pour cela que je les respecte فهمتني؟ إذا يجب علينا أن قال الله سبحانه إنما يخشى الله من عباده ماذا؟ العلماء.
فالعلماء قالوا العلم بغير ورع العلم بغير خشية الله لا سيان سان لا كرنت دالله قالوا مثل المصباح السراج c'est comme une lampe la lampe elle éclaire les autres mais elle se brille elle-même c'est comme les bougies شمعة la bougie quand il allume ça donne de la lumière mais à la fin c'est quoi elle se brille c'est هكذا العلم بلا خشية الله العالم بلا خشية الله يتكلم يستفيد الناس من الكلام ولكن هو يحرق نفسه يسبريل لي مم إذن هذا العلم بلا ورع ولا طاعة كالسراج يضيء البيت بنوره ويحرق نفسه روى عبد الله بن وهب عن سفيان أن الخضر قال لموسى عليهما السلام الخضر فكل سيد استوار الخضر يعني من نصايح الخضر لموسى عليه السلام أن الخضر قال لموسى عليهما السلام يا ابن عمران يعني أو فيس دي عمران موسى فيس دي عمران هذا الخضر سير الخضر كي قال له تعلم العلم أبران لا سيانس لتعمل به بور لي ميتر ان براتيك فهمتم ولا تتعلمه Il ne faut pas l'apprendre, apprendre la science, les tuhaddith bihi, pour seulement parler aux gens. Et vous, il y a des gens comme ça. Ils cherchent la science pour faire une conférence, pour dire qu'il est très fort. Pour dire qu'il est très fort. Donc ça veut dire, l'intention c'est quoi? C'est montrer aux gens qu'il connaît, il a des grands diplômes, des choses. Ils ont dit, « Ta'allam al-ilm » C'est le khadr, il dit à Moussa, « Ta'allam al-ilm li ta'amal bihi » Apprendre la science pour le mettre en pratique. Il ne faut pas apprendre la science seulement pour parler aux gens. Tu parles bien aux gens, mais toi tu fais autre chose. C'est ce qui est beaucoup. Beaucoup, oui. C'est ce qui est beaucoup. قال فيكون عليك بوره عليك بوره ولغيرك نوره الغير يجد النور وأنت تجد البوار الهلك إذن ندعو الله سبحانه وتعالى يوفقه قال أبو الدرداء رضي الله عنه أبو الدرداء صحابي تعرفون صحابي لكمبانيون دي بروفيت كي سابيل أبو الدرداء قال أبو الدرداء رضي الله عنه أخوف ما أخاف إذا وقفت بين يدي الله يعني يوم القيامة أخوف للشوز كي جي كريم بليس كي تو que يوم القيامة je vienne devant Allah face à Allah et Allah va me dire quoi أن يقول قد علمت فماذا عملت je crains il a dit ce qui craint il vient يوم القيامة Allah va lui dire oh Abu Darda tu as beaucoup appris mais qu'est-ce que tu as fait يخاف من هذا قال Abu Darda يقول له لقد علمت فماذا عملت qu'est-ce que tu as fait C'est ça aussi les... ça, comment ça s'appelle ? « Anta turidu l'ilm »« Tabbiq l'ilm »« Yathbut » Tu veux apprendre, tu veux être savant, il faut pratiquer. Si tu le pratiques, ça reste dans le cerveau. Fait-il ?« Qala ba'du salaf » Oudam, les anciens, certains des anciens, ils ont dit « Kunna nasta'inu ala hifzi l'ilm bil amali bihi » كنا نستعين على ماذا؟ حفظ العلم بالعمل به. Pour mémoriser la science, on fait recours à la pratique. Ça veut dire que quelque chose que tu pratiques toujours, ça reste toujours. Avec la répétition, donc ça reste, tu n'oublieras pas. Si tu vois quelqu'un qui a appris, تقول له دعاء النوم يقول لك نسيت معناه انه ما كان يدعو عندما ينام. Quelqu'un qui a appris à l'école, après tu lui demandes, ah je vais دعاء quand je vais accoucher, je vais faire du'a, quel du'a, il va dire, voilà, je connais, mais j'ai oublié. Pourquoi tu as oublié? Parce que tu ne pratiques pas. Voilà qui quand, quand la mère t'a ouïe, elle frache, là, t'as ça. T'as trouvé le masque de du'a, t'as trouvé le masque de du'a, et t'as compté, t'as trouvé le du'a, là, t'as ça. Là, t'as ça. Quand tu m'as refait le masque de Natawadda, on fait le wudu. Ouahad de courbe, ma'a ou l'ihya. Adem,
Tu leur dis, قال لي هل اغسل وجهي قبل يدي ام يدي قبل وجهي قال لي اسكو جي لاف لي فيزاج افان لا مي ولا مي افان لو فيزاج قلت له كيف يا اخي راك باللحيه وكذا قال لي والله يا سافي لونتام بلي دو 6 ans je n'ai pas pris يعني الناس حتى لا يدري الوجه اول ام وهذا واضح انه لا واضح انه لا يصلي يعني الذي لا يعرف الوجه اول واليدين اول ما لا يصلي لذلك كان القدام يستعينون على حفظ العلم بالعمل به. كان تي براتيك لا سيانس لا سيانس ريست. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم ماذا؟ يعلمكم الله. كرينيا الله الله vous enseigne. La crainte d'Allah c'est la porte de savoir. La porte de quoi؟ الشافعي كان رحمه الله كان ذكيا جدا. Shafi, il était intelligent. Très intelligent. Kul ma yasma'u, yahfaz. Tout ce qu'il entend, il yahfaz. Qu'il a hatta kan yada' qutnan. Ala. Udnayhi, indama yadkhul al-souq, hatta la yahfaz kalam al-nas. Al-fahitou, qutna ala al-udn, hatta la yusma' kalam al-nas. Kan zaki jiddan, Shafi. الشافعي كان رجلا ذكيا وكان ذا فراسة فراسة كانت يلوى quelqu'un سي 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 بيان سي با بيان وكان فيه رجل آخر هو أيضا كان ذا فراسة في زمن الشافعي يافي دي بيرسون اي سون كلير وكانت يلوى quelqu'un فقال الناس في المسجد اليوم سنرى أيهما أكثر فراسة الشافعي أم هذا الرجل Ils ont dit, ils vont savoir qui est plus fort que l'autre. Vous voyez, tu m'as dit. Ah, fa da'aw al-shafi'i wa da'aw al-rajul wa ajlasuhu. Fa qal nurid nas'alkum as-su'al. Qal na'am. Dakhal al-rajul fil masjid. Un homme qui est rentré, qal lahum unzur ila, qal lahum unzura ila al-rajul. Regardez cet homme qui est rentré. Fa ra'aw. Shafi'i ra'aw al-akhar. Ou kulluhum ya'arifuna al-firas. Yuridun an ya'arifu man aqwa. كي بليفور فقال له اذا خبرونا ما, ما ماذا يعمل هذا الرجل كيل لا بروفيسيون دي سيتو فهمتني عمله ماذا يعمل في الحياه ان لي ريغارد سي ما بور سافوار كيس كيل في دان لا في ماذا يعمل في الحياه ما مهنته في الحياه فهمتوا فسال الرجل الاول فقال لهم حداد Il a dit, c'est un forgeron. T'as vu, mon frère, forgeron. Haddad. Wa sa'al al-shafi'i, wa anta ma da ya'mal al-rajul, qal lahum najjar. Shafi'i, il a dit, c'est un menuisier. Donc, des paroles quoi? Al-awwal, ma da qal? Haddad, il a dit, forgeron. Al-shafi'i, ma da qal? Ah, qalou, khalas, nad'u al-rajul, wa nas'aluhu, an na'rif man aqwa fihima fil firas. Qui est plus fou? Faites-vous? Fada'a al-rajul, qal lahum ma mihnatuka? قال لهم كنت حدادا وانا الان انجر il ont dit que quel travail que tu fais il a dit j'étais forgeron maintenant je suis menuisier لا الشافعي زياده لان الشافعي il a donné l'actualité l'autre qui a donné une profession passée كلهم سواء ولكن الشافعي امام لان قال كنت j'étais Forgeron maintenant. Le chef il a donné pour maintenant, l'autre qui a donné pour l'ancien. Voilà que tout le monde a le hâte. Tout le monde a le hâte. Fait Shafi'i, ma hifzi, marra min al marra, dakhal al masjid, il a rentré dans la mosquée. رأى شابا يصلي ركعتين. Il a vu un jeune qui fait des ركعات. الله أكبر. وكان يقرأ بصوت مرتفع. Il a levé sa voix et sa voix était belle. صوته كان جميل في القرآن. فبدأ الناس كلهم ينظرون إليه. Tout le monde à la mosquée regarde quelle belle voix. فبالنسبة للشافعي ماذا قال؟ قال كلمة فقط. قال أما كان أفضل لهذا أن يصلي سرا
Il a dit, c'était mieux pour lui de faire ça. Parce que tout le monde voit, il dit, c'est bien, c'est bien. Donc ça veut dire, il n'y a rien. Il a dit, c'était préférable s'il a fait ça en cachette. Il a dit cela. La haza shafi'i fi hayati, il a constaté, da'ufa hifzuhu fil Qur'an. Sa mémorisation du Coran est affaiblie. Bada ayansa. Il était fort dans la mémorisation du Coran, donc il commence à commettre des erreurs. Ah non. عجب كيف يعني انا الشافعي لا احفظ جيدا وانا معروف بالحفظ فكان عنده استاذ اسمه وكيع بن الجراح الى غير بروفيسور الشافعي سابيل وكيع بن جراح الى دي دونك كوم سي مون بروفيسور جو في الي لي ديماندي بوركوا جي نعرف با فمشى الى الاستاذ وقال له ساء حفظي je ne mémorise pas comme avant فقال له هذا واحد وثانيا قال له كنت اقوم الليل je me lève la nuit pour faire salat الليل il a dit maintenant je n'arrive pas à me réveiller فقال له قيدتك ذنوبك يا شافعي il a dit c'est tes péchés qui t'ont attaché en fait انظر الشافعي جلس الامام الشافعي يتفكر ماذا فعل الى كوماسي ا سي ميتر ان كيسيون كيس كي جو في كوم فكر وتفكر وتفكر اسكو نو انا بيزون دي ريفليشير بور سافوار كيل مال انا في هل نحن نحتاج الى التفكر ها الشافعي يتفكر ماذا فعلت ماذا فعلت كيس كي جو في كيس كي جو في لم يجد Il n'a rien eu. Finnihaya ba'da tafkir tawil wa amir. Ah, qala faqat al walad fil masjid indama kana yusalli qultu kada. Ça c'était sa faute. Famasha wa bahatha an hadha al walad wa talaba minhu al afw. Il a demandé pardon. Faraja'a ilayhi hifz. Tout est retourné. الآن عرفتم لماذا لا نفهم نحن؟ لماذا لا نفهم نحن الآن؟ Est-ce que on a compris maintenant pourquoi on ne comprend pas nous؟ Si un chapitre est à cause de ça, c'est le. هو فقد حفظه. إذا نحن ما أكثر ما نفعله في اليوم والليلة. كيف نحفظ؟ إذا هذه هي مشكلتنا اليوم. يعني العلم لابد أن يكون فيه ماذا؟ نوع من التقوى وقال علي رضي الله عنه إمام علي ماذا قال قال يا حملة العلم اعملوا به إمام علي il a dit oh les porteurs de science pratiquez votre science c'est qui a dit ça إمام علي قال فإن العالم من عمل بما علم il a dit les savants C'est celui qui a pratiqué ce qu'il a appris. هذا هو العالم. من عمل بما علم. C'est celui qui a appris. C'est celui qui a pratiqué ce qu'il a appris. C'est ça qu'il est savant. فوافق عمله علمه. Il faut une compatibilité entre la science et la pratique. قال وسيكون أقوام. Il y aura des gens. ما قال علماء إن بدي دي سامون لأنهم ليسوا علماء قال سيكون أقوام il y aura des gens qui arrivent après c'est pas à son temps mais ça arrive c'est un autre temps même موجود قال سيكون أقوام يتعلمون العلم il apprend la science لا يجاوز تراقيهم أو حناجرهم leur gorge Il parle d'ici seulement, ça ne touche pas le cœur. Ça ne sort pas de leur cœur même. Ça sort d'ici.
يتعلمون العلم لا يجاوز تراطيهم يخالف عملهم علمهم. Il a dit, il y aura une divergence entre leur science et leur pratique. Captez. Qui parle de cela? Man yatakallam. Imam Ali. وتخالف سريرتهم علانيتهم. Ce qu'il y a dans leur cœur est différent de ce qu'ils disent. Ce qu'ils déclarent et ce qu'ils cachent ne sont pas les mêmes. Man yaqul hada Imam Ali. يقول وتخالف سريرتهم علانيتهم. Il te parle bien, mais le cœur est mauvais. Et ça, c'est le problème. قال ويجلسون حلقا. Dans la mosquée, tu trouves حلقة. دروس. دروس. يجلسون حلقا فيباهي بعضهم بعض. Ils se vantent. Ils se vantent. Chez nous, il y a beaucoup de monde. Chez nous, il y a ci. Chez nous, il y a ça. Chez nous, il y a ci. Là-bas, il n'y en a pas. Là-bas, ici. Mubahat. Ah, mubahat. يباهي بعضهم ماذا؟ بعض. حتى إن الرجل، هذا من يقول الكلام عليه، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه إذا جلس إلى غيره وتركه. Ça veut dire, quelqu'un qui vient, qui écoute ici, si on le trouve dans une autre mosquée, il écoute une autre personne, tu trouveras que la personne ici se fâche contre lui. Ah, il se fâche contre lui. Pourquoi il écoute quelqu'un d'autre et pas lui? Ah, pourquoi il est avec nous, il vient dans cette mosquée? Qui dit ça? Est-ce qu'il est là avec nous aujourd'hui? Il dit, الإمام علي قال هؤلاء أعمالهم لا تصعد إلى الله. Leur travail ne sera pas élevé vers Allah سبحانه وتعالى. في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل. هذه المجالس عملها لا يصعد إلى الله سبحانه وتعالى. فهمتم؟ إذا عظم الله إذن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعطينا العلم. قال الحسن البصري رحمه الله. الحسن البصري ماذا قال؟ كان يعظ الناس في العلم. قال حسن البصري لا يكن حظ أحدكم من علمه أن يقول له الناس عالم. Il a dit ne faut pas que la part de la science de l'un de nous se résume sur un seul mot que les gens disent qu'en ville, par exemple, que telle personne est savante, telle personne est savante, telle personne. Il y a des gens comme ça qui cherchent ça, qui cherchent que les gens disent qu'ils sont savants. Donc il ne faut pas que ta part de science se résume sur ce que les gens disent sur toi, savant, 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 savant. Faites-le. Il y a des gens comme ça. Quand ils font, ils veulent se montrer, ils sont qui? Il ne faut pas que ça soit ta part de l'ilm. Allah yakun nasibak min al-ilm, annaka tu'allim. Ja'a fil athar. Ghal man ta'allama al-ilma li arba'in dakhala an-nar. Celui qui apprend la science pour quatre choses. قال ليماري به السفهاء ليجادل به السفهاء جدال il discute avec les voyous أو ليباهي به العلماء il veut montrer aux savants celui qui est plus fort que فهمتم فهمتم أو ليصرف إليه وجوه الناس. Il veut que tout le monde les regarde. Il dit oui, la science, tout le monde les regarde, tout le monde. Vous comprenez? Ou liyakula bihi amwal al-umara. Il va suivre les hommes de pouvoir. Vous comprenez pas? On lui donne, il va dans le sens. Il va dans le sens. أن طلب العلم يعني مهم جدا. فقال لا يكن حظ أحدكم من علمه أن يقول له الناس ماذا؟ أن يقول له الناس عالم. فلأجل ذلك ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. وأيضا يا إخوتي فيه شيء آخر. طالب العلم، لأن تكلمنا عن العالم ونا بارليل عن العالم
حتى المتعلم سواء. جاء في حديث العالم والمتعلم. Ça veut dire le mérite que les savants vont avoir, que toutes choses sur les, tous ceux qui sont sur les cieux et dans les cieux et la terre, ils demandent pardon auprès d'Allah pour lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les savants et les chercheurs des sciences, ils sont égaux dans ça. Ça veut dire, même celui qui cherche la science, lui aussi, il aura la même... Ouais, il aura la même récompense. C'est ça qui vous montre le mérite des sciences. Au fil, un projet. La scolarisation des enfants. Allah subhanahu wa ta'ala a ta'ala ni'ma. Allah subhanahu wa ta'ala nous a tout donné. Même si on se plaint, il nous a tout donné. Il y a des enfants qui n'arrivent même pas à aller à l'école parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ma chaytou il a madrasa fi Nigeria. Madrasa. Wa sa'altu fi madrasa. Sa'alna kunna. Kam talib mawkouf ani dirasa. Comme d'élèves qui ne viennent pas. Ils ont cherché, cherché dans les dossiers, ils ont dit il y a 15 qui ne viennent pas. 15 comme ça. Ils sont arrêtés pour commettre. Ils ont dit pour 10 euros par trimestre. Ça veut dire 10 euros par trimestre, ça veut dire dans l'année, c'est dans les 30 euros. Ils ont haoula, il a dit, les parents n'ont pas les moyens, donc ils ne vont pas à l'école. مستقبل هؤلاء معناه خلاص الآباء لا يستطيعون أن يدفعوا انتهى في مدرسة واحدة في مالي أنا لم أذهب ذهب الطلاب c'est les jeunes qui sont partis ils ont trouvé qu'il y a 70 personnes qui n'arrivent pas à payer si c'est pas plus. Non, c'est une école. Oui, plus. D'autres écoles, c'est plus. Mais ils ont dit qu'il y a 70 qui ne peuvent pas être payés. Donc, on a envoyé des gens, ils ont demandé de l'aide. Les 70, il faut faire les devis, c'était dans les 1500 ou 1600. 1700. On a dit 1700 euros, c'est une école. Les 70 choses. Il ne fait rien. فهمتم يا أخوتي؟ إذن هذه الإخوة طلاب هذا الذين يدرسون عندنا les jeunes qui étudient chez nous ici comme c'est leur ami qui est parti voir صديقهم هو الذي ذهب وحكى لهم et ils ont pris l'initiative أنهم il faut escolariser les 70 لذلك ils ont fait les barquettes ils ont fait tout cela في سبيل الله ils demandent les gens وهذا c'est une bonne action لأن من يشارك في تعليم شخص هذا الشخص يدرس علوم عصرية ويدرس الدين l'école au Mali c'est mélangé il y a les deux il y a la religion il y a l'arabe et il y a les français les gens font les deux هؤلاء هم الذين بعدين يصيرون أئمة c'est eux qui deviennent des imams c'est eux qui deviennent des duats c'est انظر الشخص أنت ساعدته وتلا يدي هذه صدقة جارية كل كلمة تخرج من فمها أنت لك أجر فيها. C'est un investissement de long terme. Quelqu'un qui va apprendre la religion demain, il va enseigner les gens. Et moi, je connais ces gens. Si c'est 70 élèves, biiznillah, tu trouveras plus de 60, ils vont être des imams. Ça, c'est sûr et certain, biiznillah. Ça, on connaît. Ce sont des gens qui sont dans les sens. Ils ont أنت عندما تعلم شخص هذا الشخص يأتي ويصير داعية انظر الدعوة وكل ما يقوم به من جهد tout effort fourni par cette personne les gens enseignés par cette personne vous aurez l'ajr même les gens que lui il a enseigné que vous n'avez pas vu avec eux aussi tu auras l'ajr plus qu'il enseigne et les gens pratiquent toi aussi tu trouves l'ajr l'ajr est là ليس فقط يعني نتعلم هذا هو الأول il faut apprendre ça c'est important الثاني يجب أن تساعد في تعليم الناس
Il faut être une cause, une bonne cause pour que les gens apprennent, surtout les religions. Surtout la religion. Il faut être une cause. Les gens qui ont des blocages, qui n'arrivent pas à faire, il faut les faciliter, les choses, qui deviennent un partenaire et tu auras sadaqa jariya. Même après la mort, ça va continuer. إذن هذا ثاني المسألة الثالثة اسعى في نشر العلم la bonne science il faut les diffuser il faut sensibiliser il faut diffuser il faut amener les gens tu deviens une cause quand les gens viennent à cause de toi et après aussi c'est ça d'accord les compteurs marchent même après donc pas seulement apprendre tu apprends ça c'est bon aider les autres aussi à apprendre diffuser aussi la science C'est très important dans la vie. Hayatun hadha madha fiha. Hayatun hadha madha fiha. Qu'est-ce qu'on a dans cette vie? Voilà, on a vécu. Demain après demain, on va dire Allah yarham. Demain après demain, on parle de nous, il dit rahimahullah. On est là sur cette chaise, on est en train de parler. Demain après demain, c'est quelqu'un d'autre qui va être à notre place. Où est telle personne qu'Allah yarham? Où est telle personne Allah yarham? Dunya, qu'est-ce qui arrive? Sauf les biens qu'on va faire. C'est pour cela que la personne qui vous aime, c'est quelqu'un qui vous dirige vers même la science et la pratique. C'est pour cela que nous voulons. Les jeunes, il faut travailler. Il faut apprendre la science et il faut être utile pour les gens. Comme ça, votre vie aura un sens. Comme ça, votre vie aura un sens. Comme ça, vous aurez l'harmonie en vous-même. Voilà, vous lisez et vous pratiquez. Ce qui est mieux, c'est le travail des messagers. Il faut travailler sur le terrain. Il faut enseigner les gens. Il faut diffuser la religion. On fait pour Allah. Allah nous voit, ça nous suffit. On ne veut pas de leadership, on ne veut pas être président de quelqu'un, on ne veut pas être chef, on ne veut pas être ça. Non, nous, on est en train de travailler pour Allah. Quand on travaille pour Allah, Allah les voit, ça nous suffit, c'est tout. Ça nous suffit. La lizalika nahnu ma'akum fi hadha. Nadu Allah subhanahu wa ta'ala yuffiqna. Wa nadu Allah subhanahu wa ta'ala yu'inana. Wa nadu Allah subhanahu wa ta'ala yasturana jami'an. Allahumma ahdina fi man hadayt. Wa afina fi man afayt. Wa tawallana fi man tawallayt. وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن اليقين ما تبلغنا به جنتك اللهم اهدنا وادي بنا واجعلنا سما لمن اتبع اللهم اجعل جمعنا جمع مرحوم واجعل تفرقنا بعد تفرق معصوم ولا تجعل فينا كما احنا شقيا ولا محروما وصلى على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى الحمد لله